Le bac à quoi? Mélancie. Allô? Non. Le lendemain. Est-ce que... Mogagoy. Ah bon, là, ça coupe. Monsieur Aliou. Allô? 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 Mais on est ajouté. Mimi ala nande koy o ko men wol de ko mo nande na mettre la lettre derrière en dernière position. Est-ce que tu as y a la lettre du ministre de bon, c'est pas grave. C'est pas la lettre, c'est vous qui l'avez. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Mi fama ali kun dam branche kun honto. On laisse comme ça alors. Après, à l'assistance, ouais. De bien vouloir mettre le téléphone au mode discret. Veuillez mettre vos téléphones au mode discret pour éviter d'indisposer, monsieur le président, ouais, dans sa prise de parole. Mesdames et messieurs, depuis près d'une semaine, nous suivons tous ensemble l'actualité qui est principalement ponctuée. Allô? Allô? Deux éléments. La campagne de récupération des biens de l'État que l'UFDG, à l'occasion des dernières assemblées générales, a soutenu et soutient également, okay, la judiciarisation, ah, c'est-à-dire le transfèrement des dossiers dits COVID, ah, merci, devant la Cour de répression des infractions économiques que nous avons également salué, que nous accompagnons. Allô, 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 par la voix de son président, a pourtant réclamé ou voulu que ces dossiers soient épluchés pour que la vérité jaillisse enfin. Tel est donc de l'ouverture de ces dossiers. Et fort des engagements qui ont été pris par le président du CNRD de faire de la justice la boussole qui va désormais conduire le citoyen guinéen et la République de Guinée, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour ensemble aborder ces questions qui, aujourd'hui,
aujourd'hui forme l'essentiel de l'actualité. Je vais donc passer la parole à M. Saint-Louis-David Diallo, vous comprenez pourquoi je ne dis pas maintenant président. Parce que je vous invite à comprendre que c'est M. Saint-Louis-David Diallo, à l'époque des faits reconnus de l'État, qui est concerné. Et le parti dont il est le président lui témoigne toute sa solidarité et la coalition ANAD, dont il est également le président, l'accompagne dans ce que je vais appeler, avec sa permission, cette épreuve. Je vous remercie. C'est bon. Allô? Donc, je disais que je voudrais vous remercier pour être venu si nombreux à ce point de presse. Allô? 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 Je suis Julien Diallo, président de l'EPG, président de la MAD. Allô? J'ai rarement organisé de point de presse, bien que je suis convaincu que vous posez la question de savoir pourquoi. Allô? Je puis vous assurer. Allô? C'est moi qui demande une propriété que pour défendre mon honneur et ma réputation. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour l'État guinéen à différents postes. Dont une dizaine en tant que ministre de la République. Je n'ai jamais été entendu par un officier de police judiciaire ou par un juge pour des faits présumés de corruption ou de détournement de deniers publics. J'ai toujours dit et répété que j'étais un homme d'honneur, je ne suis pas un homme d'argent. Pendant cette carrière administrative, je me suis fait une réputation d'homme intègre et relativement compétent, disons-le, parce que c'est à ce titre que j'ai été appelé au gouvernement en 1996. J'ai essayé, dans l'exercice des fonctions ministérielles qui m'ont été confiées, de m'imposer une rigueur exceptionnelle. J'ai dû apporter une autre négligence. D'abord, en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'un vrai statut de mission et d'un système bancaire moderne, j'ai apporté ma contribution en tant qu'administrateur des grands projets à la promotion de grands projets auprès des partenaires et autres bailleurs de fonds. Dans mes fonctions de ministre, j'ai essayé aussi de m'imposer une rigueur. Mais j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la sur la structure routière. Mais on m'a soupçonné de détournement de deniers publics ou de corruption. Si bien que mon capital le plus précieux, pour moi, crédit. Et lorsque je cherchais à expliquer pourquoi, au premier tour de l'élection présidentielle 2010, pourquoi totaliser, ai-je valablement exprimé, pour moi, l'une des bonnes explications, c'était la confiance du peuple guinéen et des électeurs. Puisqu'il y a 2 ans que j'ai commencé à faire la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier de ce résultat. Je parle des résultats officiels.
Alors qu'en réalité, vous savez que je suis passé dès le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça tenait aussi à la climat. Jugement que la majorité des Guinéens portent sur leur compatriote que je suis. Donc mon capital, moi le plus sérieux en politique, les gens s'interrogent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement, crédibilité à la à l'honnêteté. Ce qui était considéré par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est ce capital qui est attaqué. Réputation. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre intérêt ou une propriété, mais pour défendre ma réputation, oui. Mon honneur, parce que je tiens. J'ai toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur, à ma réputation. Quelle que soit l'issue, un terrain, comporte une maison, chambre, un salon, qui m'a été cédé dans des conditions transparentes et régulières. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais comme l'idée persiste, comme si je me suis emparé d'un bien public, les mots que je vous explique dans ces circonstances. Ce terrain est le bâtiment de deux chambres, un salon qui l'abrite, que le président Conté appelait ton hangar. Dans quelles conditions il m'a été cédé? D'abord, j'ai formulé une demande comme le vendre. Mais comme vous le savez, j'ai eu une relation de confiance forte avec le général Lansana Conté. Au point que je lui ai demandé, je dis, président, construisez votre maître de retraite hors du lac. Il m'a dit au début non, c'est là qu'habitait mon père. J'ai construit à la place de la maison de mon père, j'ai construit mon père, c'est ici que je pars. Je lui dis que le lac était plus. Et que c'était même romantique s'il était là, il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain, aller pêcher et venir manger ce poisson. Finalement, il a accepté l'idée et il a construit. Il estimait que c'est bon chantier. Et régulièrement, il passait me prendre les week-ends pour aller visiter le chantier. Parce qu'il a appelé Santilo, il dit, bon, mon founidi l'a dit de construire une maison ici, qu'est-ce que tu en penses? Santilo a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. Tous les week-ends, il passe à Dixit, il me prend, on va aller voir ton chantier. Et Forum est là, le ministre de l'urbanisme, il dit, bon, toi tu choisis à gauche ou à droite le terrain sur lequel je vais construire ta maison pour que le jour où tu viennes me rendre visite en tant que président retraité, que tu restes dans ta maison. Ça, c'était devant Foromo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est encore vivant. Un jour, on est rentré à la maison, il dit, mais toi, tu me fais construire des maisons, regarde le hangar que tu habites. On va te vendre ici. Je vais te donner le matériel, tu vas construire une maison et mettre ta famille à l'aise. Regarde ce hangar. Je dis, bon, d'accord. Et puis c'est resté un moment, il a dû oublier. Sa perception de moi, c'était, bien sûr, c'est une perception fondée. J'étais un homme désintéressé, qui n'est pas intéressé par le matériel. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas rappelé. Et un jour qu'il me dépose, ma femme lui rappelle, il dit d'accord. Le lendemain, Forum au ministre de l'Urbanisme m'appelle, me dit l'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile. Il faut prévenir la famille, je vais envoyer l'équipe. L'équipe est venue. Quelque temps après,
il m'a transmis un dossier, une lettre que je vous montrerai, pour dire que l'évaluation est terminée. L'autorité a ordonné qu'on me vende donc le coût du terrain dans ce quartier avec le coût du mètre carré à l'époque a été appliqué. Maintenant, c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me donne. J'ai décidé, si je dois acheter, d'acheter au prix du marché, comme il m'a dit, c'est ça le coût du marché. Le mètre carré dans un quartier comme le tien, c'est à la superficie, ça, on a multiplié. Et puis la maison que le président appelle hangar, voilà son coût résiduel. Je suis resté quelques semaines. Voilà la lettre que Fermont m'a envoyée pour me dire de verser le montant de 400 millions à l'ordre du patrimoine bâti public. J'ai attendu, me dit, c'est la lettre que je t'ai eue parce que c'est le résultat de ce que je ne dis pas avec le président. Tu me dis, ou bien tu me dis combien tu payais. Pour payer, je vais aller voir le président. J'estimais que si je dois acheter, je préfère acheter au prix du marché. J'ai appelé le directeur général de la Société Générale. Je lui ai dit qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite, surtout le terrain. Je voudrais qu'il me consente un prêt. J'étais personnel, premier personnel recruté en Guinée par la Société Générale en 1985, parce qu'elle est arrivée. Parce que lorsque je faisais mes études de banque, j'ai fait le stage chez eux, à la direction des affaires internationales et d'après les Oriatailles. Elle a dit qu'il faut qu'il demande à Paris. Comme je suis politique. Il a demandé l'autorisation, il m'est revenu une semaine après, puisque Paris est d'accord. Il a rédigé un contrat de prêt. C'est long, hein? Un contrat de prêt me prêtant l'argent, assorti d'un échéancier de remboursement. Voilà nos deux signatures, Société Générale et celle d'Alain Diallo. Donc, il a émis un chèque de banque. Il a dit, mais on prendra l'hypothèque qu'on levera lorsque vous aurez fini de rembourser. Il a fait donc un chèque de banque, dont voici la copie. Alors du patrimoine bâti public qu'il m'a envoyé, c'est la Société Générale qui paye directement sur son compte, c'est signé lui. J'ai transmis au ministre de l'Habitat, suite à sa lettre me demandant de verser, et ils l'ont transmis au patrimoine bâti public, qu'il a encaissé et délivré une quittance. Voilà la quittance. C'est les courriers de transmission, un échec. La quittance, non, c'est ça. C'est la copie de la quittance de 406 millions reçus par le patrimoine bâti. Après, au vu de cette présentation, a pris un décret. Pour ceux qui connaissent la signature générale dans son côté, il a pris un décret autorisant, donc, au vu de tous les paiements, la cession, m'attribuant ainsi le terrain, encore une fois, au prix du marché. Ma charité, il m'a dit que tu es riche, hein? J'ai vu que tu as tout payé. J'ai dit non, présent, c'est la femme qui m'a. Bon, au vu de ça, cette quittance, une copie m'est revenue, une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé. Ils ont fait donc la mutation pour transférer le terrain et la maison à moi, un titre foncier a été donc émis, le titre foncier, la copie.
Un document lourd, hein, j'ai pris copier, photocopier quelques-uns, ceux qui connaissent les filles. C'était terminé, c'est dans ces conditions. Je ne suis pas emparé d'un domaine public de l'État. Le président de la République, qui en avait le pouvoir, c'était un domaine privé de l'État, il est important de faire la différence. Le domaine privé de l'État que l'État peut céder. Dans le respect de toutes les règles et procédures, ce n'est pas un bien public. C'est un bien privé de l'État qui m'a été sondé dans les conditions que vous avez. Bien entendu, c'est la première fois que j'exhibe ces documents à la presse. Si bien que les rumeurs selon lesquelles je me suis emparé du domaine pour que je refuse de quitter ont couru. Si bien que, lorsque le capitaine Dadis est arrivé, ils ont affecté le bâtiment à quelqu'un, un membre du CNL. CNL, je dis. CNDD. Et ils ont demandé à ce que je libère. J'ai rassemblé tous les documents. On a déposé. Les gens ont compris. Le capitaine Dadis m'a appelé, présenté mes excuses. Il ne savait pas que c'était acquis, condition transparente. Lorsque le général Sekouba est allé, les gens sont allés encore, il y a des gens, hein, j'étais déjà en politique, pour dire non, s'il occupe le président de l'État, il dit non, je connais le dossier. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures en vigueur, puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliéner un bien privé de l'État. Alors, mon grand frère Alpha Condé arrive, vous imaginez. Bataille. Automatiquement, il faut retirer à une bataille. Les gens m'ont indiqué. Pour la première initiative, il a renoncé. À la veille des élections 2015, il relance. Il envoie des missions dans toutes les structures. C'est un général. Vérifier l'authenticité de chèque, l'authenticité de l'accord de prêt, le respect de l'échéancier qui est là. Est-ce que j'ai payé? Une autre mission vient contrôler au point que la Société Générale s'est sentie harcelée et voulait qu'on contrôle là-bas parce que tous les jours, des missionnaires. On a vérifié l'authenticité du décret, on a tout vérifié. Il y a des gens qui ont dit, président, ce dossier de date, mais donc il faut chez Ardoise ailleurs. Le père, il a abandonné. Souza. Bon. Quelque temps plus tard, il revient, toujours, vous savez. Bon, finalement, il est de renoncer définitivement. C'est bon. À l'expropriation, parce qu'il s'agit, à la spoliation, parce qu'il s'agissait de ça. Donc, pour moi, c'était terminé. Si Alphatitman reconnaît ma propriété sur le terrain, et si Kouba l'avait fait avant lui, pour moi, maintenant, je suis quand même tranquille. Parce qu'on ne peut pas soupçonner en face de tout de complicité ou de complaisance avec ces Soudanais. Personne. Bref. Alors, ici, vers novembre, on parle des bâtiments à l'État qu'occupent certains cas. Je ne peux pas concerner. J'ai le titre foncier, j'ai tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est la mutation est faite, le transfert de propriété est fait, le titre foncier est établi à mon nom. Pour moi, c'est mon bien. Et puis, avant-hier, je reçois une lettre du patrimoine particulier qui dit dans le cas du recensement, on vous demande de libérer votre bâtiment de toute passion avant le 28 février à 10h. Alors, ça, bien entendu, j'étais surpris. J'ai répondu, lettre, patrimoine bâti, qui a encaissé le chèque
qui a délivré les deux quittances, une destinée à moi et l'autre destinée conservation foncière, me disent que j'occupe un bâtiment du patrimoine public. Parce qu'il a été un de la section. C'est lui qui a encaissé le prix, c'est lui qui a délivré la quittance libératoire, qui a permis à la conservation c'est lui qui me demande de, qui me semble, de quitter le bâtiment de l'État. Pour les interviews. Ça, c'était mon cas. Sur ce dossier, je suis un peu peiné de voir notre pays s'abîmer. Je dis que d'abord, les gouvernements compétissent pour attirer des investisseurs. Il y en a qui sont venus trouver un gouvernement qui ont obtenu des papiers, soit des baux amphithéotiques, soit des autorisations de licence, pour apporter et investir leur épargne dans notre pays. En dehors de toutes les procédures, toute convention, tout contrat est renégociable. Si, après expertise, après audit, l'État se rend compte qu'il est lésé, rien ne l'empêche de rouvrir les négociations et de modifier la convention. Je disais qu'il y a un problème dans le pays. Conseil, nos dirigeants. Ce n'est pas prétentieux, il s'agit de notre pays. Lorsque les gens ont négocié avec le pouvoir en place, les contrats ne peuvent pas être les conventions laissent l'État. Maintenant qu'ils ont dit, il ne s'agit pas de confisquer l'investissement ou l'outil de travail, l'usine ou le bâtiment. Peut-être par l'État, il ne faut pas utiliser la force, il faut utiliser le droit. Je ne parle pas de mon cas, je parle de façon générale. Ce qui prévaut actuellement, j'ai entendu que des investisseurs qui ont construit des usines, qui ont construit des buildings, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont utilisé leur épargne pour investir, mais si on saisit ces biens, on les quitte violemment de leurs locaux, ça porte préjudice à l'image de notre pays. Il y a la continuité de l'administration, on ne peut pas échapper. Ceci n'exclut pas de renégocier les contrats, les conventions, pour réparer le cas échéant, le préjudice subi par l'État. Mais on ne peut pas confisquer les biens à travers les services publics. Après le discours de décembre 85, Général Lansana Condé, optant pour le libéralisme économique et politique, je parle de l'aspect économique, on a décidé de désengager l'État du débat de production et de commerce. Décision a été prise par le gouvernement, décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement du pays et la distribution des biens, l'approvisionnement du pays et la distribution des biens à l'intérieur du pays, et la production également, le développement des tissus industriels. Même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur. C'est ainsi que toutes les entreprises ou presque ont été fermées ou privatisées.
Alors, parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods, il y avait Erwin Emmy. Je peux vous rappeler, vous ne connaissez pas, il y avait l'huilerie de Dabola, il y avait Anta, l'huilerie de Zéré, la série de Nyanda, l'usine de Kerkila de Massanta, la série de Zéré, la Cipar de Labé, il y avait tellement de sociétés de l'usine, l'usine de petits tourbillages de Mamou, la conserverie de Mamou, la briqueterie de Cancan, l'usine de granit de Manéa, le complexe textile de Sanoya. Il y avait un portefeuille d'entreprises qui gérait toute l'économie. On a dit, il faut privatiser ou fermer. Et cette politique était assumée. Assumer. Donc, Pedro Erguinet, on a dit qu'il faut privatiser. Le président Sékou venait d'acquérir 3 Boeing sortis d'ici. En 1981, j'avais Boeing 707. Un Boeing 727, un Boeing 737. Ils ont dit que les États, les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés. Vous êtes tous jeunes, il y avait Air Zaïre, Air Niger Airways, Air Afrique, Air Sénégal numéro 1, Air Équateur numéro 1. Après, il y a eu numéro 2, numéro 3, hein, parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises, mais qui n'ont jamais prospéré. Donc ils ont commencé cette liquidation par la vente de 2 avions. Ce monsieur Babacar Diagne qui était ministre des Transports. 2, le 707 et le 727. Il y a eu des investisseurs nigériens qui sont venus acheter. J'étais loin d'être ministre des Transports, parce qu'on était en 87, je crois. Les 2 avions étaient vendus. Ils ont dit, ah, il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage. On lui a laissé le 737. Mais on n'a pas achevé la liquidation de Erguinet. Erguinet se retrouve avec un avion qui est à la fois l'avion du commandant du président et l'avion, le seul avion de Erguinet. Le président voyageait beaucoup à l'époque. Il n'est pas venu dans le 20 jours. Non, il n'y a pas ça. C'est lui qui était là-bas. En 2000, le fonds monétaire est revenu à la charge de la banque. Il faut achever cette privatisation. Ils sont même pour que l'avion sorte de Guinée alors qu'on liquide. Mais avant, en 1990, on prend un décret pour faire de Guinée une entreprise à participation publique, pour ouvrir son capital à des repreneurs éventuels. On n'a pas eu de repreneur. Moi-même, j'ai essayé de négocier à l'époque avec Rayel et Maroc, qui a dit que le marché qui est trop petit, puisque l'aéroport qu'on a pris, c'était environ 300 000 passagers, lorsque la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus d'un million de passagers. Je ne pense pas même que ça a été changé. Donc finalement, la décision, le fonds et la banque sont revenus à la charge. Un dossier a été présenté au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de l'Erguinet. C'est dans la mise en œuvre de cette privatisation, puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la rédaction d'un cahier de charge et d'un dossier d'enquête. L'expert était en Guinée lorsque le président Mouhamma a appelé. Je le trouve avec elle, je m'en passe là. Il m'a dit, vous êtes en train de vendre mon avion. Je dis, oui, le président, le conseil des ministres a décidé, on a demandé à la Banque mondiale, qui a mis un expert qui est en train de nous dire, non, non. Il ne faut pas faire ça. Il faut, on a vendu les 2 premiers avions à l'étranger. Et là, je m'en remercie de l'avoir acheté, il faut le vendre. Je me suis opposé tout de suite devant Mme Sylla qui a témoigné. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Le président, au point que le président s'est fâché, parce que j'avais des conflits connus entre. Il y avait des conflits connus entre la journaliste là et là.
présent à penser, c'est parce qu'il y avait ce conflit entre nous que je m'opposais. Mais en réalité, c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien. Et je lui ai dit devant le président, j'ai dit si tu prends un guinée, tu perds traire l'argent, et le guinée risque de disparaître. C'est trop compliqué. Bref, le président dit, s'il veut acheter, on ne vendra pas à un étranger. On lui vendra cette fois-ci. Les deux autres, on a vendu à l'étranger cette fois. Il faut vendre à un guinée. C'est lui qui sait comment il va se dire. J'ai dit, monsieur le président, je ne suis pas chargé de privatisation. Il y a un ministre en charge du portefeuille, au sein duquel il y a une unité de privatisation. Il dit, bon, tu le redis. Je suis sorti, j'ai informé chef Camara, qui a tenté de convaincre le président. Le président a dit, c'est mon avion de commandement, moi je le vends à l'agent maximal. Je ne veux pas le vendre. Il a pris un décret, il a signé, et l'opération a eu lieu. La mise en œuvre des privatisations, c'est du domaine des finances. Est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il n'a pas payé? Moi, j'ai signé la convention. Parce que d'abord, c'est moi, en tant que ministre en charge de l'aviation civile, qui cherche les droits de trafic. Il fallait transférer à Air Guinée Express les droits de trafic de Air Guinée. Donc, j'ai signé, bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Puisque je ne suis pas, vous ne pouvez pas me soupçonner de complaisance avec la Générale pour me dire. Pas de l'animosité, mais des contradictions qui nous opposaient. Donc, j'ai signé la convention. Mais l'opération de liquidation de Guinée s'est passée vraiment au ministère des Finances et c'est lui qui devait encaisser, c'est lui qui a fixé les prix, c'est lui qui devait accepter. Je pense qu'il a payé. L'avion était déjà en Israël, effectivement, en révision ou en réparation. Donc voilà, il est important d'étudier d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de la privatisation des entreprises publiques, ou de fermeture, parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées. Je ne veux pas me défendre, j'explique simplement, parce que j'étais aussi un acteur, avant même d'être ministre, j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière, je sais comment les choses se sont passées. Et beaucoup de jeux, y compris des journalistes, on était dans un régime socialiste sous ce côté-là. Et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs. Et donc, ça, cette opération est intervenue, mais à d'autres. Alors, la question que vous allez vous poser, pourquoi on est remonté à 2000? Juste à 2002, pourquoi pas en 87? Pourquoi, dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002? Il faut poser la question, parce qu'il y a des dossiers récents, avec des témoins, et lorsqu'on a fait tomber au régime, on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient. Pour poser la question. Pourquoi, moi, ce harcèlement judiciaire des leaders politiques, il faut s'interroger. Pourquoi il y a ce harcèlement? Je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Moi, j'ai écrit à Chouz pour demander, pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur de choses pour le bâtiment, on aura à se défendre, je me défendrai, je verrai comment avec mes avocats on se rencontre ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions et puis voilà, on va se séparer en espérant que le droit sera utilisé et non la force. C'est le plus pour utiliser le droit. Merci. Monsieur le Président, pour la séance de questions-réponses, je crois que
Khalil, merci de recenser ceux qui veulent poser des questions. Le temps pour le président de prendre un peu l'air. Vous allez. Présentez-vous en même temps, Thierry Suleiman Guinée News. Oui. Solimite à Horizon FM. Je crois qu'on va prendre d'abord la première série de questions. Vous pouvez vous avancer. Une sorte de conflit qu'il y avait entre Elhadji Mohamed Doussy, la présidente de l'UDG, et vous, mais vous n'avez jamais dit la nature de ce conflit. Poser, si de poser une autre, vous déclinez carrément votre temps de parole. Le film. Et Monsieur le Président, compte rester à Tixi ou ailleurs, dans une autre commune. Deuxième question, vous avez posé. Mais loin de Air Guinée, il y a les. Et je parle de Monsieur Aliou, à l'époque, ministre des Transports. On parle de démantèlement des rails. L'UFDG est en train d'être militaire au pouvoir.
ou pas, parce que ce ne sont pas les seuls dossiers. Pourquoi l'UFDG ou les cadres sont visés? Merci. Ça passe, voilà. Bonjour Monsieur le Président, j'ai des questions s'il vous plaît. Dans vos explications, vous avez révélé des différentes dates depuis 82 jusqu'en passant par l'élection de 2010 à nos jours. Toujours le même problème n'a cessé d'être réactualisé. Pourquoi pendant ce temps vous n'avez pas fait comme aujourd'hui une sortie pour vraiment finir avec cette histoire? Ma deuxième question s'il vous plaît, je profite de l'occasion puisque ce n'est pas fait dans le cadre. Le président du CNRD, dans son adresse du Nouvel An, avait promis qu'au courant du premier trimestre de 2022, il y aura des séries de assises nationales et vérités, pardon. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi. Jusqu'à présent, aucune annonce n'est faite. Et en tant que président d'une formation politique, comment vous voyez cette actualité? Merci, c'est au tour des Abdourahmane Diallo. Monsieur le Président, Ousmane Kamara a prédit récemment que le Boeing devait être à 6 millions de dollars, que vous aviez vendu selon Ousmane Kamara à 5 millions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la commission d'audit. Est-ce qu'elle vous a contacté en 2009? Et qu'est-ce que vous pensez de votre ami, M. Ousmane Kamara? Ok, merci. Amgakou, est-ce pas ça? Moi, je suis Aulette Ousso, journaliste reporter à EFA. Ma question est la suivante. Posez-vous même une question. Vous demandez pourquoi cet acharnement contre ces acteurs à cette question. Si vous-même vous répondez à cette question. Merci. Jean-Sim, je ne sais pas si on va faire un prolongement ou si on va s'arrêter là. C'est bon? Ok, ça fait une série de questions. Hein. Merci. Allô, allô. Ça marche pas. Allô, allô. Chers amis, vous obstruez les antennes, alors ça dérange la liaison. Merci de vous. Alors, il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas obstruer les antennes dans la préparation. Alors, je commence par dire à Souleymane, le délai de 26 jours. Qu'est-ce qui se passe, va se passer? Moi, je considère que le patrimoine bâti s'est trompé parce qu'il parle des biens de l'État. Ce qui ne manque pas, mon cas, j'ai tous les papiers mettant en évidence ma propriété du foncier. Pour moi, c'est une erreur qui ne me tardera pas à rectifier. Parce que mon fait plus partie de la mutation. Et ce patrimoine qui a touché et attiré son attention, c'est lui-même qui a encaissé l'échec et qui a délivré la quittance libératoire et a permis la mutation en ma faveur. Et il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération, que ce bâtiment n'appartient plus au patrimoine public. Donc, j'ai écrit pour lui rappeler ça. De ça. Donc je pense que c'est une erreur et bon, c'est ça que je dis dans ce service. Si ce n'est pas le cas, j'inviterai. Alors, quelle est la nature des conflits avec la diplomatie là? Bon, c'est pas le moment de le dire. On était tous proches du président Conte, on ne s'entendait pas, ça arrive souvent.
c'était très très tendu, mais ce n'est pas le point de vue pourquoi ici, vraiment, c'est aujourd'hui. On n'est pas dans le grand amour, la diversité d'antan. Alors, la question suivante, c'est si je suis prêt à quitter. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur de ce que je n'occupe pas un bâtiment, un bâtiment privé. Allô, allô. Je dis donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'occupe pas un bâtiment ou un terrain du patrimoine. Allô. 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 L'autre micro a lâché. L'autre là. Allô, allô, allô. Augmente la voix. Ouais, il faut mettre un peu plus aigu. La basse est très forte. Allô, allô, mets ici sur la table là devant. Allô, mets ici. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Donc, il y a trois personnes qui ont posé la même question. Je suis dans l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas concerné, parce que c'est un bien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Conté n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr si on peut contester au président Ségoutoué d'avoir attribué des terrains au président Conté d'en avoir attribué dans le domaine privé de l'État. Nous sommes dans un quartier presque quasi populaire, là où on est. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire? Peut-être la question peut se poser. Parce que nous avons connu deux régimes différents. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le préfet, c'est le gouverneur, c'est le président qui a attribué les terres. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre, grâce au code foncier domanial élaboré en 87. À partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre, mais l'État a des domaines privés qu'il peut céder à sa guise. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés. Alors, lorsque le président de la République cède, même pardon, intérêt privé de l'État, et où il autorise la vente au prix du marché, c'était mon cas, c'est mal connu. J'ai acheté au prix du marché. On peut toujours me dire, c'est parce que vous étiez ministre, premier ministre. Mais j'étais d'abord citoyen avant d'être premier ministre. À combien de personnes de citoyens il a donné, je ne suis pas là en tant que citoyen. On te donne l'autorisation d'occuper pour d'acheter un terrain qui relève du domaine public. Du domaine privé de l'État. Il y en a combien? Des centaines. Même les premiers arrivés, les ministres du le premier gouvernement de l'Ansara Conté, ils ont loti quitté de la le centre de l'État. Le président a pris un décret pour leur attribuer chacun un domaine. C'est là, tous les anciens ministres, les Banas Libé, les Kerbalaya, beaucoup d'entre eux, à côté de l'école française. Mais donc, la question c'était de savoir en train de commenter. Pour moi, c'est une erreur de dire que le bâtiment et le terrain que j'occupe fait partie du bâtiment public. J'attire leur attention, mais je suis persuadé, si c'est fois qu'ils comprendront. Alors, les vice-présidents secrétaires généraux cités dans l'Air Guinée. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous savez, d'abord, les rails. Je n'ai pas vu le rapport sur les rails. Mais on m'a dit que je ne suis cité nulle part dedans. Ce n'est pas le plus important. Oui, c'est le général qui est cité là-bas. Il était ministre des Transports. Je sais à quel point il s'est battu. D'abord, on s'est battu pour éviter le démantèlement de rails. La guerre qu'on a menée, tout ça. Et je sais, lorsqu'il était ministre des Transports, combien de fois j'ai exclu, même si nous étions tous des, mais je ne reviens pas sur ça.
Est-ce que l'IFDG est visé? Parce que c'était la question. J'ai dit qu'il faut s'interroger. Pourquoi on est allé en 2002 pour prendre une partie de la privatisation de l'UNEP? C'est des questions qu'on peut se poser. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire, avec pour objectif d'éliminer un candidat important? On ne sait pas, pour le moment on s'interroge. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger à ce stade. Et vous aussi, je sais que vous vous interrogez. Et merci de vous interroger. Alors, les assises nationales, vous savez, nous avons, je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue, que les fils du pays se parlent. Lorsque vous avez dissous l'Assemblée, déposé le président qui prétendait être élu, suspendu la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils le pouvoir à l'issue d'élection. Les civils candidats à la récupération du pouvoir, c'est en premier lieu les partis politiques. Mais les partis politiques, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrent. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion apaisée de cette transition, pour qu'il y ait le consensus. Pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi lorsqu'ils naissent de les gérer. Non, on n'a pas été entendu. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on dialogue avec le CNRD et l'autre. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse. Et aussi d'exprimer leurs points de vue à la presse, alors que nous sommes tous fils de ce pays. Qu'est-ce qui nous coûterait de nous retrouver autour d'une table? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes. Parce que nous sommes dans une période d'exception, où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de légitimité. Comment on fait? En tant que frère, vous ne comprenez pas. Parce qu'au Mali, les partis politiques sont dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. Au Tchad, qui est en transition, on a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Sont des partis légalement constitués. Le dialogue, c'est pas possible. Pas dialogue. Alors les uns prennent des agendas cachés aux autres, ou de mauvaises intentions, et on est allé, on va s'asseoir, présenter les propositions des uns et des autres, les confronter, essayer de trouver un consensus. C'est ça qui était. C'était même on n'a pas été entendu. Donc les décisions sont prises. On accompagne, on conteste. Si on conteste, on émet des réserves, on dit qu'il est contre le CNP. Alors qu'on aurait pu avoir un où on peut dire, est-ce que cette décision nous paraît judicieuse? Est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement, par le CNP? Une telle proposition émise par un concurrent et notre parti ne me semble pas opportune. Est-ce qu'on peut l'écarter? Il y a le débat. L'absence de débat est source de conflit. Donc, nous avons demandé qu'on s'assure. Toutes les autres transitions, il y a un dialogue à côté. Non, on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème? Moi, je dis, les assises n'étaient pas nécessaires. Si on va à l'intérieur, on s'adresse à qui? Est-ce que c'est à chaque citoyen? Non, j'imagine que le CNT vient à Forêt-Cariat,
qui s'adresse à l'imam, parce qu'il n'y a personne qui représente la population. Ici, les partis politiques qui doivent participer aux élections, ils sont là. Les seuls élus à l'intérieur, c'est les élus des communes. Mais les élus de communes, la plupart, 95%, 19%, c'est les partis politiques. Sinon, il n'y a pas de représentativité. Vous pouvez interroger chaque citoyen. Vous pouvez dire, le consensus. Oui, le peuple veut ça. C'est pas possible, on n'acceptera pas n'importe quoi. C'est ça le problème aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher une légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principes de la démocratie et de l'état de droit et d'imposer ça aux Guinéens. Je ne vois pas l'utilité de cette tournée, de ces assises. Alors qu'on aurait pu trouver un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différentes intentions. Alors, on m'a parlé de la, le prix de l'avion, Ousmane Kaba aurait dit que c'est ça. Déterminer le prix d'un avion n'est pas aussi compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait lorsqu'on m'a soumis les prix qui étaient déjà fixés par la cellule de privatisation. Un avion est assumé à une valeur, à sa valeur pénale. Vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion. Les compagnies vous disent c'est de telle valeur. Sur Internet, lorsque vous avez un certain nombre de références, vous connaissez l'âge de l'avion, sa marque, son année de fabrication, son année de mise en circulation, et vous connaissez à peu près le nombre de vols qu'il a effectué parce qu'un avion tous ces deux. Vous demandez que l'interroger Internet, ils vont me dire, c'est ça. Par rapport à ça, le prix qui était fixé n'était pas sous-estimé. J'ai dû vérifier ça à l'époque par mes services techniques. Donc, s'il dit que c'était supérieur, je ne sais pas sur quelle base il avait pris ces trucs. C'est possible. L'évaluation des actifs relevait de la cellule de privatisation. Moi, pour ma acquis de conscience, j'ai vérifié l'avion, puisque là, on pouvait vérifier certaines choses, je trouvais que ce n'était pas sous-facturé. Alors, la dernière question de ma sœur, pourquoi cet acharnement? Effectivement, il y a un acharnement. Écoutez, on ne peut pas ne pas lier cet acharnement au poids politique du leader. Et je suis du leader politique, je suis. Je vous ai expliqué, vous connaissez le poids de l'UFDG, vous connaissez son poids électoral, bien sûr, sa capacité de mobilisation, la confiance dans le leader jouit auprès de la population. Vous vous souviendrez que la dernière élection transparente, c'est le premier tour. Ce n'est pas le premier tour de 2010. Le premier tour de 2010. Moi, je me suis retrouvé avec 43,67% de suffrage par la France. Celui qui venait après moi, c'est à quoi il avait 18%. Mais au-delà de ça, lorsque nous avons décidé de participer à l'élection des élections de 2020, nous avons gagné le premier tour et nous avons revendiqué notre victoire jusqu'à la chute d'Alpha. Pourquoi nous avons renoncé à cette revendication? Parce que cette élection de 2020 n'était pas inclusive. Il y avait des gens qui étaient boycottés, qui avaient boycotté, c'était encore. Et ensuite, la junte avait promis d'organiser des élections transparentes. Et nous, pour nous, c'était une question de vérification. Nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt.
pour aller aux élections. Notre principal adversaire, le RPG, sans la justice intégrée, sans les administrateurs territoriaux qui sont des militants zélés du RPG, sans les forces de défense et de sécurité qui tuent nos militants en prison et nous harcèlent, nous savions que nous avons toutes les chances de l'emporter encore à notre premier tour. Mais ça, c'est connu de beaucoup de gens. Malheureusement, c'était un handicap. Parce qu'il y a des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas que le RPG accepte. C'est tout sauf le RPG. Et nous craignons que ce soit que ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CRD, le CRDP, pour trouver le moyen de nous exclure par des manœuvres, l'âge, le harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposé. C'est évident que nous nous interrogeons et nous nous préparons en conséquence. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part. On ne peut pas aussi vraiment accepter que, voilà, on te colle une ardoise dans un dossier où tu n'as absolument rien fait, sauf peut-être exécuter un décret pris par le président élu de la République d'Alors. Et dans l'exécution, les prix auxquels les biens, les actifs ont été cédés étaient relativement bons. Et nous n'avons eu aucune condition dans cette opération, d'autant plus qu'à l'époque, comme je l'ai dit, nous n'avions aucun intérêt d'aider, de nuire, aucun intérêt d'aider. Nous avons refusé dissuader le président pour l'intérêt de la République. Alors, donc, c'est ça. L'acharnement existe. Nous le sentons, soit à la maison ou à la Guinée. Ça peut s'inscrire dans un plan dont on n'a pas encore peut-être plus les contours, mais il ne faut pas l'exclure. Parce que nous pensons qu'il y a des forces occultes qui essayent de pousser le CNRD à l'exclusion de certains leaders pour que leur candidat éventuel puisse l'emporter. Parce que je crie la force de l'UDD, vous la connaissez. Aux élections locales dernières, malgré la fraude, malgré le hold-up, nos représentants chers 122 communes, 342. Nous avons des élus locaux dans toutes les sous-préfectures sauf une douzaine. Dans le pays, il n'y a que 12 ou 15 sous-préfectures où on n'a pas élu dans le conseil communal. Ça, ça dérange. Peut-être d'autres qui veulent obtenir le pouvoir par des arrangements. Mais il faut qu'ils comprennent que ça ne passera pas. Merci. Voilà, madame, monsieur, merci. S'il vous plaît, rendez-vous samedi à 11h pour l'Assemblée générale. Chers militants. Voilà, merci, chers amis de la presse, d'être venus.